Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Twitter puisque ça y est, Mio a enfin annoncé les personnages qui vont arriver en 2.4 mais également les bannières de Albedo et de Ela, donc on va regarder ça ensemble. On va commencer directement avec le premier personnage ici. Donc une prestation de Yujin au salon de thé suffit à faire couler des moras au point de ne plus avoir à ouvrir pendant un mois. Eh ben dis donc, patron de salon de thé Eyo, donc Yujin, Nova de Seine, impresario actuel de la troupe d'opéra Yuhan, Geo et Opéra Grandis. Donc encore une polarme, donc encore un personnage lancier. On commence vraiment à en avoir beaucoup des personnages lanciers. Hein. Déjà, mise à jour d'avant, on avait eu Utao, on avait eu Thomas. On a tellement de personnages lanciers. Il serait vraiment temps que Genshin commence à créer des personnages avec des nouvelles armes. Parce que mine de rien, c'est cool d'avoir des nouvelles mécaniques de jeu, même s'ils ont le même élément, et même si on a la même arme, etc. Mais le fait d'avoir la même arme, au final, bah, ton gameplay il change pas tant que ça. Ok, tes compétences élémentaires changent, etc. Mais ça reste des coups d'épée, ça reste des coups de lance. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je sais pas, ça serait bien de mettre d'autres armes. Tu peux mettre des arbalètes, tu peux mettre des pistolets, puisqu'on voit que les Fatui ont des fusils. Tu peux mettre des bâtons, puisqu'on voit également que certains ont des bâtons. Je sais pas, tu peux mettre tellement d'armes différentes. Le fait de tout le temps avoir les mêmes armes, si sur 7 ans, on a que des personnages avec les mêmes armes, au bout d'un moment, ça va quand même devenir lassant. Donc là, on a quand même un personnage plutôt stylé. Donc, de type Géo. Je pense que elle, c'est une 4 étoiles. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une 4 étoiles. De premier avis, comme ça, j'ai l'impression que c'est une 4 étoiles. En tout cas, elle est très stylée. J'ai hâte de voir, ce que ça va donner par la suite quand elle sortira. Donc ici, on a la deuxième voix un petit peu sur elle, Yujin. Franchement, au niveau du chara-design, je la trouve vraiment très classe. Et en dessous, j'ai parcouru les mondes et nombreux sont ceux qui ont reçu mes enseignements. Parmi eux, Shen-E, je sais pas si ça se dit comme ça, Shen-E, est celle qui me ressemble le plus. Souffle Nuage. Donc elle a été également entraînée par Souffle Nuage, donc celle qui a entraîné Ganyu. Donc est-ce que c'est une adepte? Je sais pas, mais en tout cas, elle est magnifique. Genre vraiment. Shen-E, sans transcendance solitaire, âme éthérée parmi les mortels, donc c'est probablement une adepte aussi. Cryo. Donc ok, encore une lancière, c'est là où encore je voulais en venir, encore une lancière. Bon, c'est une lancière cryo, la seule lancière cryo qu'on a, je crois que c'est Rosalia. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Rosalia. Ouais, donc pourquoi pas une lancière hydro par exemple. Il n'y en a pas de lancière hydro, bon on a Tarta qui peut mettre un coup de lance avec son ulti, mais c'est pas un lancier. Donc ouais, il nous manque des trucs là. En tout cas, elle est magnifique. Elle est magnifique, son chara-design il est fou. Waouh, vraiment elle est... waouh. Nouvelle waifu, hein. Ça je vais instant summon, il n'y a même pas besoin d'hésiter en fait là-dessus. Là. Elle est magnifique. Vraiment, waouh. Ouais, j'ai rien de plus à dire dessus tellement elle est belle. J'ai hâte qu'elle sorte, j'ai hâte de voir ce que va être son histoire, j'ai hâte de voir comment elle va l'introduire dans le jeu, de voir un petit peu son gameplay, mais instant summon, là, il n'y a même pas d'hésitation en fait. Elle est magnifique. Et personnages cryo, si on regarde bien tous les personnages cryo qui sont sortis, surtout les derniers, on avait Ela qui est très très forte, même si elle est plus DPS physique. On a Ayaka qui est extrêmement forte et on a Ganyu qui est extrêmement forte. Donc la plupart des personnages cryo qui sortent et surtout qui sont 5 étoiles, parce que je pense que c'est une 5 étoiles, hein, Génie, entraîné par Souffle Nuage. Très clairement, c'est une 5 étoiles. Donc à mon avis, je pense qu'elle va être très forte. Je pense très clairement qu'elle va être très forte. Et en bas, normalement, on a les bannières, voilà. On a les bannières donc de Albedo et de Ela qui ont été officialisées. Donc on aura Bennett, Noël et Rosalia. Donc ça, c'est incroyable. Parce que si vous n'avez pas de Bennett, c'est le moment d'aller le chercher. J'ai l'impression que ça va ressortir la bannière Bennett sur la bannière d'Albedo. En tout cas, je pense que du coup, j'irai summon dessus pour avoir des constellations de mon Bennett. Et pourquoi pas des constellations de ma Rosalia que j'ai pas encore C6. Ni Noël, je l'ai C6, donc Osef. Mais vraiment, les deux, j'aimerais bien les avoir avec des constellations. C'est stylé comment ils les ont mis la bannière, là, pour une fois. Comment ils ont été affichés, le petit rond, comme ça. Ça change un petit peu d'habitude. Donc, encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont annoncé que les nouveaux personnages, mais ils n'ont pas annoncé les reruns qui vont arriver. Parce que, du coup, si on continue dans la logique d'avoir deux reruns à chaque fois, il y aura potentiellement encore deux reruns dans la prochaine mise à jour. Parce que, du coup, si c'est un 5 étoiles, un 4 étoiles, Shen-E et Yujin, je pense qu'ils seront sur la même bannière. Donc on aura potentiellement encore deux autres 5 étoiles en rerun, et je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit Ganyu ou Xiao, ou Ganyu et Xiao, donc faites très attention à ça. En tout cas, très belle bannière, ça donne envie de summon dessus, il y a de fortes chances que du coup j'essaye d'avoir un Albedo pour ma collection, et par la même occasion du coup essayer d'avoir des Bennett. Ensuite à côté on a la bannière de Ela, donc c'est exactement les mêmes personnages 4 étoiles, donc ça au moins ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une bannière de rerun Ikena 2, c'est toujours les mêmes 4 étoiles, donc au moins vous êtes plutôt tranquille, ça permet de savoir si vous avez envie d'évoquer sur Ela ou Albedo. Mais du coup si on a vraiment Ganyu qui arrive après,
Je vous conseillerais plutôt peut-être d'aller chercher un Albedo plutôt que d'aller chercher une Eula, parce que dès que vous allez avoir Ganyu, vous allez potentiellement plus jouer Ganyu que votre Eula. Enfin voilà, ça dépend après de votre goût, parce que c'est clair que Eula, elle est quand même magnifique et son gameplay est vraiment très beau à regarder puisqu'elle danse quand elle frappe, et ça c'est quand même insane. Ensuite on a les bannières d'armes qui sont du coup les mêmes bannières d'armes pour les deux personnages. Donc on a le Serment de la Liberté et l'Aude au Champ du Vent, donc une arme plus pour Eula et celle-ci plus pour Albedo. Et encore, en vrai, l'arme 4 étoiles qu'on va avoir pour Albedo, elle sera mieux à mettre dessus. Maintenant, si vous n'avez pas eu cette épée pour votre Kazuha par exemple, n'hésitez pas à la chercher parce que cette épée est vraiment OP, un truc de fou. Donc après, cette arme là, moi sur Eula je l'ai pas, donc peut-être que j'essaierai d'aller la chercher, je sais pas encore, je verrai. On a quand même une très belle bannière, deux très bonnes armes qu'à mettre dessus, même s'il y a une arme qui est plus spécifique à Eula là-dessus ou encore à Razor. Et ici une arme maîtrise élémentaire que vous pourrez mettre sur quelques personnages, mais vraiment très peu. Donc voilà, à voir en fonction plus des bannières personnages que j'irai d'aller chercher, même si le plus souvent une arme 5 étoiles c'est mieux. Là vraiment, voilà. Et ici on a du coup le prochain event qui vous permettra d'avoir le fuseau de Synab, qui est vraiment une épée surcheatée pour Albedo. Vraiment c'est insane à quel point cette épée est pétée, presque 70% de défense qu'elle offre cette épée. C'est un délire, vraiment c'est un délire. Donc on aura des primos, on aura des couronnes de la sagesse, il suffira de visiblement faire des bonhommes de neige. Donc encore une fois, de bonnes bannières, des events qui vont arriver et un personnage complètement magnifique ici dans la personne de Shenny. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous allez invoquer ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je suis plutôt hypé, voilà. Il suffit juste de mettre un nouveau personnage que je trouve stylé. Même si encore une fois, comme je le dis, il serait vraiment temps que Genshin commence à se renouveler au niveau des armes. Vraiment, il nous faut des nouvelles armes. C'est plus possible là, parce que tous les personnages y sortent, c'est toujours les mêmes. Même si le gameplay change, ça reste la même logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donnez-nous des fusils, donnez-nous des bâtons, donnez-nous des arbalètes, donnez-nous des dagues, je sais pas, donnez-nous... Il y a d'autres armes dans le monde, il n'y a pas que des lances et des épées. Donc voilà, moi je vous laisse ici les amis. Je suis content, j'ai hâte de voir ce que vont donner ces personnages. Portez-vous bien, et puis la bise.